Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au Bénin, salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Toute l'équipe est en place pour vous faire vivre le meilleur de la télé et au sommaire ce mercredi, la rentrée des classes a fait un peu plus d'une semaine que les cours ont repris dans les écoles, lycées et collèges, mais pas pour tous. Au primaire, par exemple, les tout petits sont encore à la maison. Toute cette semaine, ils ne sont pas allés à l'école et cela va durer jusqu'à vendredi prochain. La raison principale est bien, leurs enseignants sont en formation en ce moment précis. Et d'un autre côté, les cahiers d'activité qui ne sont pas disponibles, on va en parler ce matin puisque le ministère des enseignements maternels et primaires est interpellé sur le sujet. Les parents sont inquiets, les enseignants d'eux-mêmes. On recevra en plateau à l'heure du débat son secrétaire général, le secrétaire général du ministère, Alain Dossou-Rounlehi. Gastronomie, désormais, les mercredis sur Actu Matin. Connaissez-vous le Côme, vous l'aimez en tout cas, on va en déguster ce matin dans l'acte 1 de votre nouvelle rubrique intitulée « Dans nos plats » et ce sera désormais avec Zakiat Latounji tous les mercredis. Elle nous emmènera à la découverte des richesses culinaires de notre pays, le Bénin. C'est Actu Matin, installez-vous confortablement, on ouvre par les prévisions météo.
Et voilà, c'était donc là les informations sur le temps qu'il fera tout au long de cette journée du mercredi au Bénin et sur l'ensemble du territoire national. Alors, les titres du mini-journal que nous aurons juste après la une des journaux avec William Cliquant déjà installé. Pourquoi avez-vous décidé, chers parents, d'inscrire vos enfants dans une école publique ou dans un établissement scolaire privé? Vous n'hésiterez peut-être pas à nous donner une réponse à cette préoccupation. Et c'est à cette question d'ailleurs que certains parents se sont prêtés en nous livrant les critères de leur choix. Vous les suivrez dans le mini-journal. Abdoulaye Biotchane suit de près le niveau d'avancement des travaux comptant pour la première phase de mise en place d'une zone économique et spéciale à Glodjibé. La descente ce mardi du ministre d'État dénote de l'intérêt que porte le gouvernement pour la réalisation du projet et sa finition à bonne date. On va en parler avec vous, William Cliquant. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci de vous installer. On va vous retrouver tout à l'heure pour le mini-journal. Dans pratiquement quelques secondes, ce sera la une des journaux. Avec vous, Waham Ali Perra, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On prend la pause, on vous revient juste après. Les informations à la une des parutions du jour, c'est la une des journaux avec vous, Waham Ali Perra. Oui, Christian Dadejan, les premières informations ce matin nous viennent du quotidien Fraternité. Réforme sociopolitique sous la rupture, plutôt servir que se servir. Et puis décentralisation et lutte contre le harcèlement sexuel. Les projets de loi transmis au Parlement ce mercredi à Diarra, la cité des tambours. Pour combien de temps s'interroge le quotidien Maison. Et puis double confrontation Tanzanie-Bénin, 25 joueurs, dont trois locaux convoqués. À la une maintenant du quotidien La Nation, le volet social en 100 jours de gouvernance, des réalisations pour soulager les communautés. Puis transformation structurelle de l'économie béninoise, les satisfactions et propositions de l'ABAD. La relève info, troisième session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, le maire Luc Setondier a Tropo obtient l'unanimité autour de son rapport d'activité. Un véritable plébiscite selon le journal. Le Matinal, la zone économique spéciale de Glodjibé, 400 hectares en cours de viabilisation. Abdoulaye Biotchane est satisfait de l'évolution des travaux. Cet élément vous reviendra en son et en image tout à l'heure dans le bulletin de William Cliquant. Info matin à présent, gestion de l'environnement et du climat. José Tonato, ministre du cadre de vie, installe le conseil d'administration. Le journal Info matin qui nous fait connaître la liste du Michel Duchiel, le sélectionneur national. Il nous apprend donc que cette liste comporte tout le monde sauf Fallon, Bonou et Sessegnon. Bénin intelligent, répression des infractions commises à raison du genre, les éclairages de l'honorable Gérard Benoshi, le journal Bénin intelligent qui rapporte les propos du député, la nouvelle loi n'interdit pas de chercher femme. Et puis tourisme, Dunkota, le village de l'hippopotame. L'autre quotidien, candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Bénin fait une bonne option. Et puis, gestion de l'après-vie, plaidoyer pour la crémation au Bénin, tribune de Candide à Rouenzou. Le potentiel pour avoir violé et sodomisé un jeune homme à Abomey-Calavi, un militaire jeté en prison hier, l'armée déshonorée, l'affaire pendant devant les juridictions. Et puis après trafic de carnets de vaccination anti-Covid, 5 hauts fonctionnaires et 2 ministères arrêtés. Nord-Sud quotidien, coopération décentralisée, Yankoti, maire de Porto-Novo, veut faire du Nigeria un important partenaire de la ville capitale. Assistance aux Béninois victimes d'inondations en Belgique, le consul de Liège demande des actions pointues. Les quatre vérités rencontrent Talon Boni Yayi, le patriarche Karim Urbain da Silva réagit et dénonce. On ne va pas à une réconciliation avec un chapelet de conditions irréalisables.
L'informateur, pour finir, Christian Dandéja, interpellation pour trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19, démantèlement progressif d'un réseau. La liste des interpellés s'allonge, le pouvoir met la rigueur. Et puis, rencontre gouvernement-syndicat, troisième journée des avancées dans les négociations. Voilà, Christian, tout rapide, hein, des parutions ce matin avec Fraternité qui titre ce matin « Réformes sociopolitiques sous la rupture, plutôt sérieuse ». Que se servir. Et voilà, c'est sous la plume de Angelo Dosumu à lire en page 3 du quotidien Fraternité, parution de ce jour. Et dans la suite de l'actualité, on parle de la décentralisation et de la lutte contre le harcèlement sexuel, de réforme à la vitesse supérieure. Les projets de loi seront transmis au Parlement ce jour. Et parlant justement du harcèlement sexuel, ce n'est pas que ça. Il y a également des cas de viol et c'est le quotidien, le potentiel qui précise cette information survenue dans la commune d'Aboumé-Calavi, Wakabalikpara. On parle de viol et de sodomie d'un jeune homme et c'est un militaire qui était à la manœuvre. Oui, c'est petitement des actes à la limite inimaginables, n'est-ce pas, qui se produisent. Un homme en uniforme qui pose un acte pareil, on peut sans doute, n'étant pas les juridictions compétentes, parler jusque-là, n'est-ce pas, de présomption d'innocence, mais il y a que l'acte est à la limite. Et il faut que des sanctions pointues soient prises de manière à décourager ceux-là qui, dans l'ombre, sont tapis et qui envisagent produire les mêmes actions. Voilà, et qui détruisent la vie, la vie d'autres personnes pour leur plaisir. Merci à vous, Akabali Para. On va vous retrouver à l'heure du débat en plateau. Et ce matin, on parlera de la rentrée scolaire aux primaires, plus précisément, une reprise dans un contexte plutôt difficile, notamment pour les apprenants de la classe de CI qui, jusque-là, ne dispose pas de cahier d'activité. On aura en plateau Alain Dosunlei. Il est le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Dans Duralex et de l'Ex, il sera question de la violence ou des violences conjugales, un regard croisé des acteurs au front avec des interviews réalisées par Herman Parfait à Niambosu que vous retrouverez également à l'heure du débat. Et mercredi, il y aura pour ou contre avec Naguib Alagbe qui nous emmènera une fois encore à l'école. Êtes-vous pour ou contre la fessée? Eh bien, c'est une question qu'il a eu à poser à des citoyens rencontrés à Cotonou et à Aboumé-Calavi. Et puis, je vous l'annonçais en début d'émission, les mercredis désormais, une nouvelle rubrique appelée Dans nos plats. Et ce sera avec Zakiat Latounji qui nous emmènera à la découverte des richesses culinaires de notre pays, le Bénin. Prenez le rendez-vous, on mangera ensemble du côme ce matin. Allez, le bulletin de l'information avec William Cliquant et moi, c'est juste après ceci. Nous sommes à la deuxième semaine de la rentrée des classes. Apprenants et enseignants ont déjà démarré les activités pédagogiques. Ça, vous le savez, c'est depuis le 20 septembre dernier. Les parents d'élèves, quant à eux, se sont acquittés d'une partie de leurs devoirs. Les uns ont inscrit leurs enfants dans des écoles publiques et d'autres dans les établissements privés. Mais quels sont les facteurs qui déterminent les différents choix à la veille de la rentrée scolaire? Eh bien, la rédaction de Canal 3 Bénin a mené l'enquête suivante. La rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Par ailleurs, les parents d'élèves sont appelés à inscrire ou réinscrire leurs enfants dans une école qui les convient. Un établissement public ou privé, plusieurs facteurs déterminent le choix. Regard croisé de deux parents d'élèves sur les motivations. Je me suis dit que dans le privé, les enfants sont bien suivis. Il y a souvent donc des interrogations, il y a des devoirs et ça me permet à la maison donc de suivre les notes que mes enfants reçoivent et voir comment il faut corriger. On a mis la barre où on doit mettre pour que les directeurs, les surveillants, les censeurs et les professeurs qui conduisent nos enfants soient beaucoup plus sérieux, sans avoir la carotte ou le bâton derrière eux. À travers votre micro, vous allez remercier Patrice Talon. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, quand tu n'as pas le résultat, on te dégomme.
Depuis quelques années, le gouvernement a pris le taureau par les cornes avec une thérapie de choc pour panser les plaies qui gangrènent le système éducatif béninois, de la relance des cantines scolaires à la limitation des grèves en passant par la responsabilisation des directeurs d'école et le maintien du dialogue avec les partenaires sociaux. L'école béninoise sort progressivement de sa léthargie. Du côté des directeurs d'école, la ligne de défense est également opposée. Les professeurs qui sont au public ont appris à travailler avec un certain sérieux dans les écoles privées et ça a été maintenant copié. Par exemple, quelqu'un qui fait son cours au privé avec une certaine rigueur, il ne pourra pas au public relâcher. Donc nous avons contribué, il faut que l'État le sache, nous avons contribué à conscientiser la classe enseignante. Si l'établissement travaille et faire réussir massivement les enfants, je pense que les parents ne voient plus le côté financier pour inscrire. Ils inscrivent seulement parce qu'ils ont confiance en ces établissements. Depuis quelques années, les parents d'élèves affluent dans les établissements publics parce qu'ils ont compris avec les nouvelles réformes que tout a changé. Dans cette démarche de choix de l'école, un autre élément intervient, le « quand dira-t-on ?». Pour certains parents, inscrire son enfant dans un établissement scolaire public alors qu'on exerce une haute fonction dans la société n'est pas chose normale. Alors, il faut inscrire son enfant pour le prestige et contenter le voisinage. Vous savez, malheureusement, le regard de la société dans notre contexte culturel africain, ce regard-là compte et pèse parfois pour beaucoup. Mais en réalité, je pense que les parents ne devraient pas véritablement tenir compte de cet aspect parce que c'est leur enfant, c'est leur progéniture. Retour maintenant sur la 5e édition de l'examen du baccalauréat au Bénin. En 2017, le Collège catholique Saint-Augustin de Cotonou s'en sort champion au classement national. Le Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo va s'imposer une année plus tard. En 2019, le Collège catholique de Lokossa occupe la première place, exploit édité l'année suivante. Le Collège Bakita, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, est champion en titre depuis la dernière session du baccalauréat. Le meilleur sur le plan national dans le public remonte à 2012 avec le prix Tané militaire de Bembereke. Mais attention, l'établissement de champion du Bénin au bac n'est forcément pas le meilleur. Je prends le cas du littoral en 2020. Le premier du littoral au bac 2020 a eu 17,63. Il a même été le premier ex aequo du Bénin au bac pour la série D. Malheureusement, son établissement a présenté 9 candidats et a eu 3 admis, dont taux de réussite 33,33%. Est-ce que cet établissement-là peut prétendre être le meilleur établissement parce qu'il a donné le meilleur, être le meilleur établissement de Cotonou parce qu'il a donné le meilleur de Cotonou au bac 2020? Pas du tout. Les publicités à outrance autour des résultats et des filières de formation ne manquent pas d'influencer le choix des parents dans certains cas. L'option d'une école privée ou publique pour assurer l'avenir de sa progéniture reste encore libre. La course au meilleur score à laquelle participent les parents d'élèves contribue sans doute à l'amélioration des performances du système éducatif béninois. Et voilà, c'était donc là un reportage enquête signé Idriss Boukari et Elvis Tounoukouin. William Cliquant, je suis à vous. Vous évoquez dans votre mini-journal la 2e session ordinaire du Conseil économique et social. Les travaux de la rencontre ont démarré mardi. Oui, 30 jours durant, Christian, le Conseil économique et social va examiner le projet de budget général gestion de l'État 2022. Voici le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Ouliette Sanoussi et Rachidi Soubérou. La 2e session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social qui s'ouvre ce mardi se tient dans un contexte marqué par plusieurs événements. Des faits rappelés ici par le président de l'institution. La récente disparition de notre cher collègue Nestor Wadayi, alors vice-président du Conseil économique et social, la douleur reste encore vivace dans nos cœurs et l'institution pendant longtemps portera encore le deuil. Le second événement qui mérite d'être rappelé est sans doute la réforme de la décentralisation. Le Conseil économique et social saura apporter sa contribution pour accompagner cette nouvelle dynamique.
L'autre actualité qui a beaucoup cristallisé l'attention des Béninois ces derniers jours est sans conteste l'audience accordée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à son prédécesseur. Je voudrais saluer cette initiative du président de la République et souhaiter que les acteurs politiques accompagnent cette démarche qui vise à renforcer la paix et la concorde dans notre pays. Au cours de ces assises, il sera essentiellement question de l'étude du projet de budget de l'État gestion 2022. Un budget qui devrait prendre en compte la conjoncture économique mondiale causée par la pandémie de COVID-19. Les présentes assises seront l'occasion pour nous d'étudier le projet du budget général de l'État gestion 2022 qui nous parviendra sans nul doute dans les jours à venir. Dans cette perspective, des travaux seront organisés aussi bien en commission qu'en assemblée plénière aux fins d'appropriation tant des orientations budgétaires de 2022 que du contenu du projet de budget lui-même. Ensuite, suivra un débat préliminaire sur le contenu du projet avant sa présentation au conseiller par le ministre d'État de l'économie et des finances. D'autres sujets tels que le séminaire sur le tourisme que le CES avait prévu organiser lors de la précédente session, reporté pour cette session en raison du deuil, et des questions d'autosaisine seront également débattues. Les conseillers sont conscients du travail à abattre. Je crois que c'est un calendrier bien garni pour permettre aux conseillers de la République de se prononcer sur les sujets phares qui peuvent aider notre économie, qui peuvent aider le social, qui peuvent aider l'État central à réussir sa mission. Ce conseil s'ouvre dans un contexte de décrispation sociale inauguré par deux des plus grands dirigeants de ce pays. J'ai nommé le président Patrice Talon et son prédécesseur Yahya Boni. C'est le lieu de s'en réjouir. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social qui démarre ainsi est prévue pour durer 30 jours. Selon le président du CES, cette session budgétaire ne sera pas de tout repos. Il compte sur les conseillers pour que le défi soit relevé. Visite de chantier hier du ministre du Plan et du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Abdoulaye Biotchane est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux comptant pour la première phase de la mise en place d'une zone économique spéciale à Golodigbé dans la commune d'Aboumekalavi. Une descente qui a permis au ministre de voir de plus près le niveau de la mise en œuvre de ce projet, histoire de voir les réglages à effectuer afin d'atteindre les objectifs à signer. Suivez le point. Abdoulaye Biotchane à Golodigbé. Ce mardi, le ministre d'État s'est porté sur le site en cours d'aménagement de la zone économique spéciale. Objectif, se faire une idée précise du niveau d'avancement des travaux et partant de la mise en œuvre globale du projet. Et je suis effectivement impressionné par l'état du chantier, par les travaux qui sont en cours. Et je veux féliciter l'équipe de CIPI, de RICE, pour le travail qui est fait ici et qui nous donne l'espoir que les objectifs que nous nous sommes fixés au gouvernement pour Golodigbé vont être clairement atteints. Le chantier évolue à un rythme soutenu. Peu à peu, la zone économique spéciale prend forme. Préalablement à la visite de chantier, le ministre d'État a eu droit à un diapositif, puis à un examen de la maquette. En somme, une nouvelle présentation du projet et de ses évolutions récentes. Oui, vous voyez bien que, comme l'a dit le ministre d'État, vous voyez bien que ce n'est pas un mirage. Hein, vous voyez bien que concrètement, il y a bien des entreprises qui travaillent sur le site. Aujourd'hui, rien que sur le site, en termes de travaux, il y a 1200 personnes qui travaillent sur le site. 1200 personnes qui travaillent sur le site en termes de travaux. Donc ce sont des travaux énormes qui sont en train d'être mis en place. La perspective, c'est que nous devons avoir terminé dans un an et demi à peu près la première phase.
c'est-à-dire l'occupation de la première phase. D'abord, il faut faire les travaux et puis il faut occuper. Et nous allons démarrer en même temps en fait la deuxième phase. Alors moi, j'ai pris l'engagement tout à l'heure d'être ici quasiment tous les mois pour voir comment ça avance. Parce que déjà depuis quelques semaines que j'ai entendu parler des problèmes qu'il y avait ici, je vois qu'il y a des progrès. Je pense que d'ici un an, on verra déjà une première usine s'installer ici. La mise en place et l'exploitation d'une zone économique spéciale participent de la transformation structurelle de l'économie lancée depuis quelques années déjà par le gouvernement. Les dispositions sont prises au mieux des objectifs à court, moyen et long terme du projet. Allez, c'était Nagui Balawé qu'on va retrouver tout à l'heure dans le pour ou contre. Et ce matin, je vous rappelle, on parlera de la fessée à l'école. Et maintenant, des cadres du Parlement spécialiste en finances publiques et en économie sont en formation depuis lundi à Loukoussa. Le séminaire de formation porte sur l'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes. Il est organisé conjointement par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEB. Le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement, des organes de gestion des élections et autres partenaires. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Vincent. Sont installés en grande majorité dans cette salle de conférence de l'Incotel de Lokossa, dans le département du Mono, des cadres de l'Assemblée nationale. Spécialistes en finances publiques et en économie, ils sont appelés 5 jours durant à suivre une formation qui porte sur l'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes. Au cours de ce séminaire, vous aurez l'honneur et le privilège de bénéficier des enseignements d'un éminent consultant qui est un praticien en matière de comptabilité nationale. Mesdames et messieurs, les 5 jours d'intense activité de formation seront consacrés à 5 thématiques que l'expert se chargera d'animer aussi bien sur le plan théorique que pratique. Comme vous le constatez, il s'agit d'un séminaire à allure académique, compte tenu des objectifs à atteindre. Le séminaire de formation est organisé conjointement par l'Assemblée nationale, le ministère de l'Économie et des Finances et le PNUD, et ceci à travers l'unité de gestion des réformes, UGR, et le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, PACPOJ. Il s'agit d'un rendez-vous d'échange devant permettre de contribuer de façon qualitative à l'efficacité des cadres du Parlement spécialistes en finances publiques et en économie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation est retenue au titre des initiatives de renforcement des capacités des cadres parlementaires dans le but de rendre plus efficace leur analyse et leur accompagnement des députés. Ces actions de formation sont retenues dans l'AS 4 et au programme 4, contrôle du budget par le Parlement du plan d'action 2021, prorogé des réformes des finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé du sérieux qui entourera vos échanges. Je demeure donc convaincu que de ceci sortiront des recommandations qui permettront d'améliorer l'appui technique que vous êtes appelés à apporter aux députés dans l'exercice de leur mission constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le vote de la loi de finances et le contrôle des politiques publiques que celle-ci induit en vue d'une meilleure gouvernance des ressources de l'État et du développement de notre pays. Il est notamment attendu des participants une meilleure connaissance du cadre général, de l'analyse des comptes, une parfaite compréhension des indicateurs et du contrôle de cohérence, une maîtrise de l'interrelation entre les différents comptes macroéconomiques et des agrégats temporels, une connaissance des différentes techniques d'analyse des comptes économiques et une maîtrise des techniques de prévision utilisées par l'administration financière. On reste avec Geoffroy Messon qui nous dit que
Insect as Feed in West Africa, IFWA, est un projet destiné à introduire de façon significative les insectes source durable de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Mis en œuvre depuis 2014, il prend fin en décembre prochain. Raison pour laquelle les parties prenantes se trouvent depuis lundi à Bopa, dans la commune de Bopa, dans le département du Mono, pour un atelier bilan de capitalisation. Il est avec Florent Dohou pour le point des travaux. Une technologie toute faite, désormais à la portée de tous, dans le sous-secteur de la vipisciculture. Elle est basée sur l'utilisation d'insectes, source durable de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Une prouesse, fruit de recherche, à travers le projet Insect Axe Feed in West Africa, IFWA. C'est un projet qui a débuté il y a 7 ans et qui visait à développer des méthodes de production et d'utilisation d'insectes pour nourrir la volaille et le poisson, principalement les larves de mouches, donc de différentes espèces de mouches et des termites. Parce qu'en fait, il y a un problème récurrent de manque de protéines dans l'alimentation de la volaille et du poisson dans la région. Et on voulait essayer de compenser ça avec l'utilisation d'insectes. Parce que les insectes, bien sûr, sont pleins de protéines, ils sont facilement accessibles. La rencontre se tient sur 2 jours à Bopa, dans le département du Mono. Elle est destinée au bilan de l'exécution du projet IFWA ainsi qu'à sa capitalisation. Elle va aussi contribuer à la promotion des acquis du projet. On est 8 partenaires en tout, 2 partenaires suisses et 6 partenaires de la région, dont 2 béninois. Et on est vraiment très très satisfaits. On a obtenu des résultats excellents. On a bien amélioré les techniques de production de larves de mouches, les techniques de piégeage des termites. Et donc on est en train actuellement de disséminer du mieux qu'on peut ce type de technique. Premièrement, on a amené les producteurs. On a trouvé que quand on donne les larves de mouches, la poule qui pondait avant 6 œufs pond 12. Celle qui pondait 8. Donc ça veut dire que le nombre d'œufs est multiplié par 1,5 à 2,4. Ce qui veut dire que ça augmente la productivité numérique. Mieux, ça réduit le coût de l'alimentation. Ça a rehaussé le prestige social de nos moments. Et l'autre résultat phare qu'on a eu, c'est que les déchets sur lesquels on produit, en même temps, ça devient de la matière organique pour faire les cultures maraîchères. Le projet IFWA est exécuté par l'Université de Parakou et l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Djelihoué et Selita, dans la commune d'Aplahoué, ont abrité le projet en milieu réel. Je crois que tout ce qui a été fait et ce qui a été mis au point à travers ce projet constitue des technologies phares pour nos différentes institutions. Toutes les institutions ayant participé à ce projet grâce à ce financement suisse qui a été mis à notre disposition. Vous avez vu et entendu tout à l'heure le coordonnateur général revenir sur un certain nombre de résultats, sur un certain nombre de technologies qui ont été mises au point et toutes les ressources humaines qui ont pu participer à ce projet, qui ont été formées et qui constituent aujourd'hui des compétences que le projet met à la disposition de notre pays et d'autres pays aussi. Ce rendez-vous de Bopa se veut un espace de partage des résultats des différentes études avec le monde scientifique et les parties prenantes en vue de la mise à l'échelle des acquis du dit projet. Des orateurs externes au projet prennent également part aux travaux afin de définir de nouveaux axes de recherche. Outre le Bénin, des chercheurs de pays comme le Burkina Faso et le Ghana ont pris une part importante dans les travaux. Pour cause de pandémie de la COVID-19, certains participants prennent part à l'atelier par vidéoconférence. Et ce sont ces 2 informations en provenance du Mono qui mettent un terme à ce bulletin de l'information, Christian. Merci à vous.
William Cliquant, rendez-vous avec vous demain matin sur Actu Matin. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, prenez le rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin avec Eric Guilénon. Alors, retour en classe des apprenants et leurs enseignants. Nous irons à la maternelle et au primaire dans nos analyses pour apprécier l'effectivité de la rentrée. On analysera le contexte et nous aborderons le sujet avec notre invité de ce jour, Alain Dossou-Rouleyi, secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Il sera avec nous en plateau à l'heure du débat. Tout de suite, les informations sportives avec Hakimé Seydou Ousseni. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la COVID-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, les sports avec vous, Hakimé Ousseni, bonjour. Christian, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité, voilà. Elle est très sportive ce matin. On va commencer par le Bénin avec Michel Dussuyer qui était en conférence de presse hier. On connaît la liste. C'est exact. Michel Dussuyer, le sélectionneur des écuries du Bénin, a rendu public la liste des 25 commandos qui seront du côté donc, de la Tanzanie pour la double confrontation entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. On retiendra que c'est une double confrontation après le match aller qui se disputera face à la Tanzanie en terre étrangère. Et bien, le match retour est prévu 72 heures plus tard. Ici, ce sera du côté du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Quelques réajustements, plutôt quelques retours au niveau de cette liste. On retiendra bien entendu Christian Dandéda que, eh bien, à l'occasion des deux premières rencontres, des deux premières journées, il y avait l'absence de Cécile d'Almeida qui était blessée et puis celle donc de Samadou Bourou qui cette fois-ci se retrouve sur la liste de Michel Dussuyer. Voici pour vous un extrait de la conférence de presse du sélectionneur des écuries du Bénin. Bien, pour cette double confrontation contre la Tanzanie, j'ai retenu 25 joueurs avec dans les buts Saturnin Alagbé, Marcel Danginou et Batory Douyemé. Les défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Asogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, David Kiki, Cédric Ntondji, Johan Roche et Olivier Verdon. Les milieux avec Jordan Adeoti, Matteo Alainvi, Cécile Almeida, Rodrigue Cossi, Junior Oletan et Anand Tidjani. Les attaquants avec Roland Béacou, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Mika Poté et Désiré Segbe Azampo ainsi que Sebio Soukou. Voilà pour la liste des joueurs qui ont été retenu pour ces matchs contre la Tanzanie. Bien sûr, on aimerait bien que nos attaquants marquent plus souvent, mais c'est un problème collectif. C'est pas seulement indexer les attaquants, c'est aussi un problème collectif. Généralement, il faut qu'on arrive aussi à pouvoir se créer des situations et des occasions de but. Donc, c'est un problème collectif. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent. Steve Mounier joue régulièrement dans son club, en première division, ainsi que Jodel Dossou. Tous les deux sont des titulaires dans leurs équipes. Et oui, j'aimerais bien qu'ils jouent plus. Je suis comme vous. Maintenant, on ne peut pas faire les choix à la place des coachs qui sont leurs coachs dans leur club. Donc, j'imagine que la concurrence, elle est rude, elle est sévère. Après, voilà, en rentrant cas par cas, c'est vrai que Sebio a un peu moins de temps de jeu. Bon, pour Chabel, c'est un peu compliqué aussi à Amiens parce qu'il y a eu un recrutement de dernière minute. Ça lui ferme un peu aussi encore un peu plus les portes par rapport à l'équipe première. Donc c'est une situation qui est complexe. Voilà, il y a Désiré aussi a un peu moins joué là ces derniers temps avec Dunkerque. Mais voilà, ce sont des joueurs en tout cas qui sont dans une situation où ils travaillent régulièrement, ils sont dans des clubs et voilà, ils méritent pour moi d'être appelés en sélection.
Voilà, Christian, la liste donc rendue publique par le sélectionneur Michel Dussuyer, 23, mais finalement 25, c'est pour pallier à d'éventuelles blessures. Le d'en rappeler, il vaut mieux déjà préparer, je dirais, la troupe pour cette double confrontation. Vous constaterez, Christian, qu'il y a eu le retour d'Olivier Verdon, qui n'était pas là à l'occasion donc des confrontations dernières. Le retour également de Cécile d'Almeida, Samadou et Bourou, hein, qui bénéficie de sa deuxième sélection. Et puis, la première hein, de Batory Douyemé, le gardien de but de ZAE, et qui a fait une très belle prestation à l'occasion de la participation des AE à la Coupe africaine de la Ligue africaine des champions. C'est bien le tour préliminaire. Malheureusement, le club a été éliminé à l'étape donc, de cette compétition. En gros, on retiendra qu'en dehors de Batory, il n'y a que Michel Dussuyer a confirmé encore la présence dans la troupe du jeune Junior Laïtan, sociétaire d'Ayema Football Club, et qui a été très régulièrement appelé au niveau donc, de la sélection A'. C'est un garçon et qui a une large image de progression qui apporte, je dirais, depuis et je crois que de plus en plus, autant on lui fait confiance, autant certainement qu'il aura du temps de jeu, autant il apportera à cette sélection nationale. Et puis, à côté, on parlera également de cet autre joueur hein, qui, tant bien que mal également, essaie de faire son petit bonhomme de chemin. C'est l'attaquant de la formation donc, de Parakou, les Buffles FC du Borgo. C'est bien le jeune Roland Biakou qui également aussi est en train de convaincre de plus en plus le sélectionneur Michel Dussuyer. En gros, c'est une double confrontation très importante, hein, Paul Bénin, parce qu'on rappelle que dans cette pour le Bénin voulu avec le Madagascar qui a été battu lors de la première journée. Le nul concédé donc ici à Cotonou face à la RD Congo, ça fait 4 points. Il faut donc confirmer, je dirais, la forme actuelle de cette formation. Voilà, puisque si on fait recours à la rencontre contre la RD Congo, franchement, je crois qu'il y a quand même une certaine progression en termes, je dirais, d'élaboration et de prestation de nos joueurs. Le match, allez, c'est donc du côté de la Tanzanie, c'est le 7. Et puis, 72 heures plus tard, le Bénin jouera à Cotonou face à cette même formation tanzanienne. C'est un tournant décisif hein, en vue de la qualification pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Voilà, une liste au complet, des visages qui sont bien connus, des joueurs qui sont très athlétiques, les chances de remporter. Donc, je crois que de plus en plus, il y a quand même des éléments qui concourent et qui nous amènent à croire, je dirais, en ce que nos joueurs ont commencé par évoluer un peu plus d'un cran. C'est vrai qu'au niveau des gardiens de but, notamment, Satna Lagbé n'a plus la confiance de son entraîneur au niveau donc, du club. Mais bon, Satourné à Lagbé, c'est un habitué de la sélection, c'est le numéro un de la sélection pour le moment. Je crois qu'il a la maîtrise de l'enjeu et de l'instant. Et donc, du coup, on ne peut quand même pas trop s'inquiéter, je dirais, de la forme actuelle dessus. Je crois qu'en temps normal, il y a des raisons. Parce que quand vous avez moins de temps de jeu, ça agit. Mais les gardiens de but, ce n'est pas aussi trop rigoureux à en tenir compte. Mais bon, Satna Lagbé, il sait de quoi, ce qu'on attend de lui, et j'avoue qu'il va quand même pouvoir apporter quelque chose à cette sélection. Parce que derrière lui, il y a un certain Marcel Dandinou, hein, qu'on ne présente plus, qui était également ancien sociétaire des AE Football Club, qui aujourd'hui n'est plus au pays, qui a retrouvé, je dirais, le poste de titulaire dans son club. Je crois qu'il y a quand même une saine concurrence au niveau donc, des gardiens de but. Maintenant, les jeunes, vous avez vu la dernière fois face à la RD Congo, pour peu qu'on leur a fait confiance, eh bien, ils ont apporté quand même des éléments d'appréciation de ce qui est bien. Magnifique. Ils ont beaucoup entre les jambes. En gros, je crois qu'on peut toujours espérer. Tout se jouera sur le mental et de plus en plus le mental, on peut le mettre à l'actif de cette sélection nationale. Voilà, au service sport de Canal 3, c'est une actualité hein, que vous suivrez de bout en bout pour nos téléspectateurs. Allez, on va quitter le Bénin pour l'Europe, la Champions League. C'était hier, je dirais, l'acte premier de la seconde journée de la phase poule de la Coupe aux Grandes Oreilles. Il y a eu de belles rencontres qui ont été disputées et puis il y a eu des premières. Une première, Christian, on va s'y intéresser un peu plus rapidement. C'est bien le Paris Saint-Germain qui affrontait les Sky Blues de Manchester City. Eh bien, les Citizens ont été battus à Paris par le Paris Saint-Germain, score 2-0 avec Christian Dandéja, un joli but de Lionel Messi, sans oublier l'ouverture du score du jeune Sénégalais Idriss Ganagay. 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Le Milan AC a chuté face à l'Atlético Madrid grâce à Griezmann et puis à Suarez. C'est vrai que le Milan AC a fini la rencontre à
10, mais bien l'Atlético a pu se réveiller pour prendre le dessus sur la formation milanaise. Liverpool affrontait le FC Porto, et bien la passe de 2 pour les Reds de Liverpool. Les Anglais ont pris le dessus sur le Porto, score d'un set de tennis, 5 buts à 1. Et bien, c'est ce qu'on retiendra pour la seconde prestation et pour le compte donc, de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Liverpool qui totalise désormais 6 points, leader de sa poule. En gros, les résultats, on va les donner un peu pêle-mêle. Dortmund a battu le Sporting, 1-0. Christian, le Real Madrid a chuté face à Sheriff, 2-1, malgré l'égalisation de Karim Benzema sur penalty. Mais bien, ça n'a pas suffi, puisque bien, dans les ultimes instants de la rencontre, bien, Sheriff a pris le dessus sur le Real à l'arrivée, 2-1. Désormais, c'est le club Sheriffien qui donc contrôle les débats au niveau de cette poule. Et Leipzig a été battu par Bruges, 2-1. À noter la seconde victoire des jeunes d'Ajax. L'Ajax Amsterdam a battu le Beşiktaş, 2-0. Enfin, Christian, le Shakhtar Donetsk et puis l'Inter de Milan se sont séparés 2-2. 0-0. Ce mercredi, suite et fin des rencontres de la seconde journée de la phase de poule de la Champions League, Atalanta joue contre Young Boys. C'est à partir de 17h45. Zenit sera l'adversaire à jouer de Malmo. Les Blues de Chelsea seront en déplacement du côté de l'Italie pour y affronter la vieille dame. Je vais parler donc de la Juventus de Turin. Man U sera l'adversaire à jouer du sous-marin jaune Villarreal. Séville affronte Wolfsburg. Salzbourg sera l'adversaire à jouer de Lille. Les Espagnols de Barcelone seront en déplacement pour y affronter le Benfica Lisbonne. Et puis enfin, le Bayern de Munich jouera contre le Dynamo de Kiev. Ces rencontres sont prévues pour 20h. Les résultats sont prévus pour demain. D'actu matin, ce sera avec Allez, mon merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces informations sur les différentes rencontres intervenues hier. Rendez-vous pris pour les rencontres de ce soir et demain. Nous aurons les informations sur les scores. Kimi Seydou Sedi, vous restez en place, vous ne bougez pas. On va installer le plateau de la discussion accompagné de l'invité du jour. Nous irons dans nos écoles. On va parler de la rentrée des classes, notamment au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Alain Dossou-Moulagny est secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Il est notre invité du jour. Monsieur, oui? L'addition. 2000 francs pour une petite boisson comme ça, hein? Papa, tu as déjà réparé ta voiture accidentée là? Ah oui, c'est déjà fait. Après, tu vas dire que tu n'as pas l'argent. Si cette voiture est là, c'est grâce à NCA. NCA. NCA a lancé un service de réparation express qui permet à ses assurés victimes d'un accident de la route, comme moi, d'être pris en charge automatiquement et immédiatement par un garagiste agréé. Et cela à 0 francs. Tu veux dire qu'on n'a même plus besoin de se tracasser après un accident pour la réparation? Tu as bien trouvé, mon cher. Mais dans ce cas, tu me payes à boire, alors. Tu sais, d'habitude, c'est toi qui payes. Papa, hein? Fais comme NCA. La réparation express en cas d'accident, c'est NCA. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la COVID-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le forum de discussion avec en plateau les analystes de Canal 3 Bénin et notre invité Wahab Ali Para. Rebonjour, bienvenue rebonjour, en plateau. Christian. Bonjour à vous, Hakimé Seydou Ousseni, ou rebonjour si vous le voulez. Et Herman Agnambousou qui fait son entrée. Bonjour Herman. Bonjour Christian. Demir. Allez, nous avons notre invité hein, Alain Dossou Mouleyi, secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires qui est avec nous. Nous allons ensemble échanger sur la rentrée des classes. Mais d'entrée, nous vous proposons de suivre cet élément qui nous donne des informations sur cette rentrée scolaire. Le compte à rebours a commencé pour apprenants et enseignants depuis le début de la deuxième moitié du mois de septembre. L'année scolaire 2021-2022 est donc entamée, mais son lot de casse-tête est diversement partagé par les acteurs, y compris les parents. Aux premières heures, c'est la disparité des frais de scolarité qui estomaque certains parents d'élèves. Il est loisible de constater que dans le même espace géographique, le montant de l'écolage varie d'un établissement à un autre, surtout dans le privé. La sixième, nous tournons autour de 90 000 francs et la terminale, nous tournons autour de 155 000 francs. L'année, y compris les travaux dirigés. Chez nous, de la 6e, ça fait de entre 80 et 120 000. Au primaire, c'est entre 40 et 110 000. Il y a des classes qui ne sont pas à 50 000. Le secondaire, bon, il y a des taux de 70 000 que nous pratiquons. 150 000 dont je parle là, on ne réclame plus les frais de TD, les frais de révision ne réclament plus. Ça couvre tous ces frais-là. Le secteur public, par contre, semble avoir tout encadré à travers un arrêté ministériel. Mais là encore, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Cela se justifie par le niveau de développement de chaque localité. Parce que le niveau de vie n'est pas le même dans tous les départements. Il y a et des départements qui continuent d'être encore des zones plus ou moins rurales. Et il y a des départements qui abritent beaucoup de communes urbaines. Si la question de la disparité des frais de scolarité n'est pas de nature à faire dormir les parents d'élèves sur leurs deux oreilles, la taille des fournitures scolaires établies par certains promoteurs d'école semble porter aux géniteurs et autres tuteurs le coup de grâce. Les trucs sont un peu chers. C'est un peu cher. Franchement. C'est vrai, vous allez constater que les listes de fournitures varient d'une école à une autre. Il y a certaines données qui sont prises en compte par certains établissements qui font qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments à cette liste-là. Hier, par exemple, c'était que l'enseignant doit élaborer des modèles d'écriture à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Donc, un établissement, par exemple, peut décider d'élaborer un cahier d'écriture qu'il met, n'est-ce pas, et à la disposition des parents d'élèves pour, n'est-ce pas, et faciliter premièrement la tâche aux enfants, faciliter également la tâche et à l'enseignant. La pratique a donc cours un peu partout dans nos écoles. Les exigences de l'État central qui réglemente la question sont à la limite foulées aux pieds. Les parents qui déboursent ont visiblement perdu la bonne humeur. À l'endroit des auteurs de ces listes de fournitures scolaires ectométriques, le ton est moins tendre. C'est d'ailleurs l'État qui est invité à remettre les choses à l'endroit. À l'heure, là, on dit que les gens, faut faire fréquenter les enfants. Les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Tous les parents ne sont pas riches pour envoyer leurs enfants. Tous les parents ne sont pas riches. Mais c'est l'État qui nous disait tout ça, qui devrait en principe subvenir, soutenir les parents d'élèves. Et il faut que la DPI, que le ministère rende très tôt, au moins un mois à l'avance, n'est-ce pas, la liste des fournitures, des manuels scolaires qui sont autorisés.
Les établissements privés ont certes le mérite d'être producteurs de bons rendements, mais les usagers se heurtent à l'offre de formation et le manque d'harmonie avec les prescriptions du gouvernement. Et voilà, les acteurs du système éducatif béninois se sont prononcés dans cet élément que vous venez de suivre et tous pratiquement interpellent l'État sur la situation de l'école. Vous allez vous prononcer, chers messieurs, mais la toute première question, je veux bien l'adresser d'abord à notre invité, M. Alain Dossou-Rouleyi. La rentrée a-t-elle bien démarré au niveau de l'enseignement maternel et primaire? Merci Christian. Je ne vais même pas dire au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Vous avez constaté que la reprise des classes a été effective dans tout le pays. Les tournées que nous avons faites à travers tout le pays avec nos éléments, les cadres du ministère, les différentes délégations nous ont rapporté les informations selon lesquelles tout a repris. Et le premier jour de la rentrée, les travaux ont commencé dans les classes avec des activités pédagogiques. Donc c'est une rentrée qui a été bien préparée. Alors, ça s'est passé rentrée bien préparée, cher monsieur. Est-ce que vous partagez cette lecture de monsieur Rouleyi, Hakimi ou Sini, sur le terrain? Non, sur la base de ce que le secrétaire général a dit, c'est que la rentrée a démarré. C'est-à-dire qu'on a vu les enfants à l'école. Est-ce que les enfants qui sont venus à l'école sont bien arrivés à l'école? Est-ce qu'il y en a qui avaient toutes les fournitures avant de venir à l'école? Ça, le RG ne l'a pas vérifié. Et même la délégation sur le terrain n'est pas allée demander à chaque enfant d'ouvrir son sac pour qu'on y voie si entre-temps tout ce dont on a besoin était bien présent. Et donc, sur ce point de vue, on peut alors faire le débat. Oui. Et c'est justement pour ça que vous avez vu que dans l'élément du reportage témoin qu'a proposé Waraba Lepara, plusieurs problèmes ont été soulevés. C'est clair qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le débat, nous allons revenir sur ce si entre-temps les problèmes ont des raisons d'exister. Oui. Parce que oui, eh bien, vous entendez souvent dire, même si c'est pour faire rire, que à l'approche de la rentrée des classes, vous rencontrez des parents qui seuls sont en train, je dirais, de soliloquer. Parce que vous avez fait rire, effectivement. parce que réellement, eh bien, on a deux enfants, trois enfants. C'est pas le nombre qui importe. Eh bien, c'est la charge des fournitures scolaires. C'est la charge, je dirais, de la scolarité. C'est autant de choses qui sont à la base de ce comportement des parents d'élèves à la veille. Même 15 jours, un mois plus tard, on ne continue pas à traîner les séquelles, je dirais, des dépenses faramineuses qui ont été effectuées dans le cadre de la rentrée des classes. Parce que même un mois plus tard, on vous demande de solder la première tranche. Là, je parle alors des cours privés avant de m'intéresser donc aux cours publics que tout le monde connaît. Vous repartez deux mois plus tard, eh bien, on vous rappelle que, bon, c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année, mais préparez-vous à ce qu'en janvier, vous payez la seconde tranche qui constitue carrément la fin. Il ne reste que parfois 5 000 ou bien 10 000 pour solder totalement la contribution au niveau donc, de ces établissements privés. Le RG nous dira pourquoi est-ce qu'il y a cette disparité. Donc, en gros, je ne dirais pas tout de suite que oui, on a bien commencé, oui, de façon physique. Les enfants sont repartis dans les classes, mais toutes les commodités afférentes à la rentrée des classes, bien, c'est là que se fait le débat ce matin. Et ce sont autant d'éléments qui peuvent nous dire si le RG est là, il va nous apporter des précisions, des informations peut-être que nous n'avons pas à disposition. Waraba Lepara, votre lecture de cette rentrée, normalement bien démarrée, comme l'estime le RG? Oui, on peut dire que la rentrée a bien démarré. On a constaté que les membres du gouvernement, avec un chef de file, le ministre d'État du Développement, n'est-ce pas, accompagné du ministre de l'Enseignement primaire et maternel, en tout cas, ont lancé officiellement la rentrée. On peut dire que tout a bien démarré, n'est-ce pas? Mais selon là où on est positionné, qu'on soit du côté de l'État central qui organise la rentrée des classes, que les parents, n'est-ce pas, on peut diversement apprécier le démarrage de la rentrée. Les questions de fourniture et autres ne dépendent pas de l'État ni des ministères sectoriels. C'est beaucoup plus des parents. Maintenant, ça n'empêche, ou l'État ne peut pas empêcher les parents de se plaindre, par exemple, de ce que, bien que l'État et les privés soient des partenaires, qu'il y ait vraiment des disparités en termes de frais de scolarité. Encore que même au niveau de public, c'est expliqué, n'est-ce pas, on aura davantage les précisions du SIGM sur la question. Même au niveau des établissements privés, par département, les réalités ne
sont pas les mêmes. Les coûts varient donc d'un département à un autre sur un certain nombre de contingences qu'on a expliquées. Donc, bref, la rentrée a bien démarré, mais il y a des problèmes qu'on traîne depuis plusieurs années sur lesquels on va revenir, notamment la disparité des frais de scolarité, les questions de liste de fournitures ectométriques. Pourquoi il n'y a pas d'harmonie, n'est-ce pas, en termes de fournitures scolaires dans les classes? Vous allez dans un établissement X, vous, une classe de CE1, la liste des fournitures n'est pas la même que dans un autre établissement. Pourquoi il y a cela? Qui se charge de la, comment dire, de la confection des listes? Et pourquoi ce n'est pas respecté? Que font nos conseillers pédagogiques et autres? Que font les équipes de nos différents ministères pour que cela soit respecté? Et pourquoi ces problèmes sont restés depuis plusieurs années un peu? Autant de constats, hein, ce matin, Herman Parfait, Annie Roussou, nous vous écoutons, oui. Non, je n'ai pas envie ce matin de croire que nous voulons former une autre race d'enfants dans le pays, parce que nous avons été aussi à l'école. L'école primaire privée, Yamadjako, que j'ai fréquenté dans les années 88. Merci de nous rappeler. Nos parents nous achetaient juste, si ce n'est pas IPAM, c'est Finaillon 2, Finaillon 3, Finaillon 4. Et c'est plutôt l'enseignant qui avait beaucoup plus de livres pour nous amener à aller vers la connaissance. Cette fois-ci, vous êtes à la maison, on vous dépose les listes des fournitures et vous vous demandez si on n'a peut-être pas envie de vous chasser de Cotonou, de vous renvoyer dans les champs ou de vous faire ci. Parce qu'il y a tellement de manuels achetés. Il y a tellement, quand vous prenez la liste, vous vous demandez si c'est vraiment un enfant. De sorte que même les petits enfants aujourd'hui, quand ils portent le sac à leur petit dos, le sac est tellement lourd parce qu'il faut garder ci, il faut garder ça, il faut garder. Je me demande ce qui se passe pour qu'on puisse aujourd'hui assister à cette je dis flambée des fournitures au niveau de nos écoles. Oui, on peut dire que la rentrée est effective parce qu'effectivement, on a connu ici des années où la rentrée scolaire, soit c'est boycotté par tel secteur, par tel syndicat, c'est boycotté par ci. Je pense que ça a été bien organisé, c'est vrai. Les enfants ont repris l'école, surtout le contexte aussi, hein, le contexte, la crise sanitaire. Il y a eu entre-temps quelques échanges entre les partenaires sociaux et l'État pour repousser un peu la rentrée. L'État a maintenu en disant que les dispositions étaient prises pour que les enfants puissent aller à l'école. Nous, les parents, aujourd'hui, nous attendons de voir ce que ça va donner parce que, oui, il y a également cette affaire de faire vacciner les enseignants obligatoirement. Je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels le secrétaire général du ministère va pouvoir nous apporter quelques éléments. Oui, monsieur Alain Dossouhouleï, nous vous écoutons. Autant de préoccupations en rapport à cette rentrée scolaire, quelle appréciation faites-vous de toute cette analyse faite par les confrères en plateau? Oui, merci Christian. Je crois que je vais commencer par l'intervention de Hakimi. Oui. Il trouve que la rentrée a été effective, mais est-ce que le ministère s'est occupé de ce que chaque enfant a ses fournitures? Est-ce que chaque enfant a bien repris? Je crois que dans le fonctionnement de l'école, il y a plusieurs acteurs. Et chaque acteur a son rôle à jouer. L'État a le devoir d'ouvrir les salles de classe, de mettre à disposition les enseignants et de donner ce qu'il faut à l'enseignant pour travailler. Mais il faut que les parents d'élèves jouent également leur partition. C'est de mettre à disposition des élèves les fournitures scolaires, le minimum de fournitures scolaires pour commencer la rentrée. Et l'éducation coûte cher. C'est bien, vous avez dit le minimum, c'est bon. Ah, oui, je le dis. Il faut quand même un cahier, compte tenu de la classe de l'enfant, il faut un cahier de cours, il faut un cahier de devoirs, il faut un cahier d'évaluation. Bon, ça dépend de la classe que l'enfant fait. Il faut quand même un stylo à billes pour travailler, il faut un crayon. Ça, ce n'est pas l'État qui va donner. Vous savez? Et Emma a parlé d'une liste hectométrique, heureusement que ce n'est pas kilométrique, de fournitures. Vous voyez, les fournitures, la liste des fournitures dont vous parlez, ça doit être, je ne dis pas ça pour jeter la pierre aux établissements privés d'enseignement, mais ça doit être beaucoup plus de ce côté-là, où les gens, dans le souci de bon rendement, ont quand même souvent l'habitude de demander aux enfants d'aller au-delà de ce qui est ça normal. Ça veut dire que vous n'avez pas le souci d'un bon rendement. C'est pour ça que dans le public, il n'y a pas assez de fournitures. C'est le même enseignement qu'on dispense aux enfants du public que du privé. Les autres ont le souci, ils en rajoutent suffisamment, ils demandent d'acheter suffisamment de livres, mais vous n'avez pas le souci. Vous trouvez ça normal? C'est parce que vous trouvez ça anormal que nous en parlons. À l'école primaire publique, ce qu'il faut pour l'enfant,
c'est le cahier d'activité quand il est au CI, au CP. Le cahier d'activité est nécessaire pour qu'il fasse les activités de français et de mathématiques là-dedans. Même dans les programmes que nous sommes en train de mettre en vigueur actuellement, on ne vous parlera même plus de manuel. Parce que c'est l'enseignant qui a besoin de manuel pour enseigner. Ce de quoi l'enfant a besoin, c'est son cahier d'activité pour écrire dedans. Ce de quoi l'enfant a besoin, c'est son cahier de devoir pour faire des exercices. Vous voyez, si nous achetons un manuel de mathématiques, un manuel de sciences, un cahier d'histoire, un livre d'histoire et géo pour l'enfant, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est l'enseignant qui a besoin de ça pour préparer les cours à dispenser à l'enfant. Et c'est pourquoi je dis, c'est peut-être beaucoup plus dans le secondaire qu'on va demander aux enfants d'avoir un livre de biologie, un livre de mathématiques. Mmh. Mais je ne crois pas qu'au primaire, cela puisse se passer ainsi. Oui, oui, donc justement, sur cet aspect de la chose, du sujet que nous abordons ce matin, parlant des cahiers d'activité, il y a un problème qui se pose en ce moment, notamment pour les élèves, les écoliers de la classe du CI. Le cahier ou les cahiers d'activité ne sont pas encore disponibles, Wahab Ali Bara. Effectivement, c'est le constat qui est fait dans bien d'établissements où je crois à l'approche ou de la rentrée. De la rentrée, il a été notifié aux responsables d'établissement et même aux parents d'élèves que sur la liste des fournitures qu'on vous demande, on vous dit bon, de faire attention. Il y a des manuels qu'on avait utilisés l'année dernière, mais que cette année ne seront plus en vigueur. L'État se prépare, donc le ministère en question va homologuer, sinon valider les manuels à utiliser au cours de l'année. Il se trouve qu'il y avait certains parents qui se sont exprimés avec acrimonie. Pourquoi? Parce que ayant déjà acheté ces fournitures, donc un problème se pose. Il n'avait pas l'information à ce niveau. Maintenant, la rentrée a démarré dans certains établissements où les enfants ont commencé donc sans ces manuels scolaire. Donc, il y a ce problème qui se pose. Alors, on va demander au secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires que s'est-il passé, SGM, pour qu'on en arrive à ce niveau, c'est-à-dire la rentrée des Maou, la rentrée est si proche avant que l'information ne parvienne aux parents d'élèves. C'est vrai, l'information est arrivée aux parents d'élèves à la veille de la rentrée. C'est ça. J'ai entendu dire que les parents ne savent pas qu'on allait changer de curricula dans les classes de CI et CP. C'est vrai que la mise en œuvre n'a pas encore commencé au CP, c'est au CI pour l'instant. Beaucoup de personnes le savent. Même si on passe les 365 jours à la télé pour le dire, il y a des gens qui ne seraient jamais informés parce que tout le monde n'est pas à la télé au même moment, ni à la radio au même moment. Ceci étant, même si on le dit à la veille de la rentrée, comme vous êtes en train de le souligner, cela n'affecterait pas la bourse du parent d'élève, puisque les documents dont nous sommes en train de parler ne sont pas à vendre. Ce ne sont pas des documents à vendre. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a toujours critiqué l'école béninoise. Les enfants ne savent pas lire, les enfants ne savent pas écrire, les enfants ne savent plus calculer, ils ne savent plus compter. Des évaluations ont été faites systématiquement pour évaluer le niveau de rendement de notre école et on a constaté effectivement que sur 10 pays de la sous-région et de la zone francophone, nous avons occupé un rang qui n'est pas honorable. 9e rang, 8e rang, après certains pays que je ne veux pas citer ici, nous avons voulu prendre notre repas à l'école. Et nous avons, à un moment donné, nous avons dit qu'il faut aider les enfants à lire. On était parti pour faire un manuel de lecture pour les enfants, pour les accompagner à la maison. Et chaque enfant devrait avoir son manuel et pouvoir continuer la lecture à la maison, histoire de faire quelques exercices qui ont été déjà faits à l'école, que cela puisse se poursuivre à la maison. Mais à l'œuvre, on a constaté que si nous concevons un manuel, ça va être en réponse au programme qui existait. Or, avec l'évolution de la science, nous avons constaté que ce qui avait été fait ne répondait pas tellement au fonctionnement du cerveau humain. Parce qu'aujourd'hui, la science a évolué. Nous avons connu ce qu'on appelle les neurosciences qui tiennent compte du fonctionnement du cerveau pour pouvoir enseigner. Et donc, quand on veut enseigner quelque chose, il faut voir comment le cerveau va pouvoir assimiler cela. Et donc, à partir de là, nous avons dit, mais si nous concevons des manuels à donner aux enfants seulement, cela ne répondrait pas à cette nouvelle donne. Et partant de là, nous avons dit, ben,
Il faut alors donc que nous revoyons. Ce ne sont pas de nouveaux programmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de réveil tardif? Non, il faut quand même qu'on se réveille un jour. Oui. Hein? Il faut quand même qu'on se réveille un jour. Et je crois que nous sommes parmi les premiers en Afrique. Hein? Nous avons trouvé qu'il faut donc revoir. Ce ne sont pas de nouveaux programmes. Oui. C'est toujours les anciens programmes qui existent, les programmes que nous avons appliqués jusque-là. Mais il faut réorganiser l'apprentissage de sorte que cela soit vraiment assimilable aux enfants, à compte tenu de leur âge. Et c'est pourquoi nous avons repris la progression annuelle et nous avons repris les stratégies d'enseignement. Et ça, nous avons pensé qu'il faut alors que nous changions les manuels de lecture, au lieu de faire seulement des livrets pour les enfants. Et c'est ça qui a fait que le travail, vous pensez que c'est maintenant que ça a commencé, ça fait quand même 2 ans que ça a commencé. Et vous avez accusé alors un peu de retard. Ah oui, ben, attendez, ben, quand nous avons fait, il fallait faire des expériences. Nous avons mis ça en expérimentation dans certaines écoles pilotes. Nous en avons 36 dans tous les départements du pays. Et nous avons des écoles témoins à côté pour voir l'ancienne manière de faire à côté de la nouvelle manière de faire. Une comparaison. On a fait une comparaison et nous avons trouvé que c'était vraiment concluant ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi l'année dernière, dans ces écoles-là, l'expérimentation a été faite. Ces écoles continuent maintenant avec l'expérimentation de ces nouveaux programmes-là au CP. Au CP, oui. Et c'est pourquoi nous avons généralisé maintenant. Et donc, les manuels dont nous parlons, vous avez parlé de retard. En vérité, en classe de CI, on n'a pas encore besoin de ces manuels pour le premier trimestre. Ça, il faut être la vérité. C'est à partir de janvier. Parce que le premier trimestre, c'est un trimestre d'immersion. L'enfant a besoin d'être imprégné de la langue française. C'est maintenant qu'il apprend à connaître la langue française. Il ne peut pas encore commencer par écrire, à lire, à calculer. Mais il fait des activités qui lui permettent de rentrer dans le jeu. Et c'est à partir de janvier, à la reprise, que les cahiers d'activités là vont entrer en jeu. Donc nous ne sommes pas en retard. Mais il faut reconnaître que selon notre planification, on devait déjà acquérir ces manuels-là. Mais vous connaissez, c'est un appel d'offres parce que le partenaire qui nous a aidés, la Banque mondiale, a sa manière. Hein? C'est un appel d'offres international qui a été gagné par même, je crois bien, l'Inde hein, pour imprimer ces livres-là. Ça a eu quelques problèmes, on a repris. De toutes façons, tout est planifié pour que à la rentrée de janvier, les enfants puissent travailler dans les cahiers. Donc là, il n'y a pas encore de retard. Il n'y a pas encore de retard, mais les parents s'en plaignent. Le secrétaire général, dans sa première prise de parole, quand on parlait du caractère trop exagéré, pour dire les choses comme ça, de la liste des fournitures scolaires, il tentait d'expliquer que, eh bien, dans le privé, que c'est dans le privé que ça peut se faire constater. Du moins, ça se constate d'ailleurs, et que ça peut être dû au souci du la performance, et je voudrais forcément que nous nous attardions sur ce sujet. Et c'est pour ça que j'insistais pour tenter une comparaison. Est-ce qu'entre-temps, eh bien, le ministère de l'Éducation, tout englobé, pas seulement de la maternelle et de primaire, n'a pas le souci de la bonne performance? Pourquoi est-ce que alors c'est possible qu'on performe au niveau du public sans avoir assez d'ouvrages? Et on ne peut pas performer dans le privé sans avoir assez d'ouvrages. Vous avez des ouvrages que vous achetez. Certains restent à l'école. Certains viennent à la maison. Vous dotez votre enfant d'un dictionnaire qui est souvent à l'école. Voilà. Du moins, il y a tellement de choses. Sur cet aspect, il y a quand même que les parents veulent savoir pourquoi ce qu'ailleurs c'est comme ça. Et puis au niveau du public, ce n'est pas comme ça. Oui. Puisque depuis bientôt 3 ou 4 ans, les premiers aux examens, on est en train de les retrouver à nouveau dans le niveau du primaire. Ce qui est clair, si nous devons faire un peu une petite l'historique même de ce développement exagéré du secteur privé de l'enseignement, de l'enseignement général, de l'éducation générale, c'est que l'État central avait démissionné par le passé. Exactement. Parce que nos parents étaient prêts à nous envoyer, ou nous envoyer plutôt dans les écoles publiques, tant que à l'école publique, ça marchait bien, où on allait à l'école, et puis on travaillait très bien. C'est quand l'État, quand on a commencé par aller dans les grèves, on a commencé par faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enseignants qualifiés ou de si, que les parents se sont dit, attention, pour quelqu'un qui veut une bonne formation pour son enfant, il dit, je l'envoie dans le privé. Et le coût, d'alors, nos parents déjà s'en plaignaient. C'était 7 000 francs, c'était 10 000 francs pour pouvoir aller dans le privé. Mais aujourd'hui, vous payez des dizaines de mille, hein, plusieurs dizaines de mille pour que votre enfant aille à l'école. Et aujourd'hui également, le constat qui est fait, c'est que quand le parent, autant j'ai dit, achetait des livres ou des livres pour son enfant déjà jusqu'au CM2, il est sûr que ses petits frères vont utiliser ces livres-là. Aujourd'hui, vous achetez un livre, ça fait à peine 2 ans, ça meurt.
Et donc l'enfant qui vient peut-être, qui a 2 ou 3 ans de retard sur cette classe-là, il vient encore et puis vous acheter d'autres. De sorte qu'on se demande si ce n'est pas finalement une autre race d'enfants, monsieur le général, que vous voulez nous former, parce que vous avez parlé de neurosciences, des qui soit adapté un peu à la cible. Ça veut dire que nous étions autant tarés, monsieur Zézira. Non, il n'est pas de question. On n'est pas tarés. Vous voyez, il faut. Il y a un moment, vous avez les téléphones portables, piano là. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans les smartphones et consorts. Donc, si la science évolue, il faut la suivre. Nous n'allons pas rester derrière. Nous avons voulu tenir compte de l'évolution de la science pour réformer nos systèmes éducatifs. Et ça, je crois que il faut me féliciter pour ça. Ok, je me félicite alors. Les livres ne meurent pas. Un livre ne meurt pas. Ce que nous avons enseigné en classe peut se retrouver, de toute façon, se retrouve dans d'autres livres, même d'anciens livres. Quand le temps, ça donne toujours tard. Si vous voyez les livres de 1960, ça va être la même chose. Et donc, si un enseignant veut faire un élargissement d'horizon et ce qu'il a enseigné en classe, il veut que l'enfant aille faire des exercices dans d'autres livres, libre à lui de le faire. Un livre ne meurt pas. C'est les manières d'enseigner qui peuvent changer. Nous sommes d'accord. Et je vais revenir à la préoccupation de Hakimi pour dire que vous êtes en train d'attirer notre attention sur l'exagération qui s'observe dans le privé. Je crois bien que c'est ça. Parce que, en fait, je l'ai dit ici tantôt, on n'a pas besoin d'un tas de livres pour que l'enfant apprenne. L'enseignant, lui, l'enseigne. L'enfant a besoin du nécessaire pour faire les exercices. Si vous avez bien enseigné ce que vous avez enseigné, je n'exagère pas en disant que même si l'enfant ne va pas réviser à la maison, si vous avez bien enseigné, le lendemain, vous reprendre ce que vous avez enseigné. Je suis enseignant. Alors, monsieur le secrétaire général, quel travail est fait, n'est-ce pas, depuis plusieurs années, parce que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Quel travail est fait au niveau de vos services pour que cela puisse s'arrêter? Justement, nous n'avons pas cessé. Vous savez, chaque année, la liste des fournitures, la liste des manuels autorisés, la liste des livres autorisés, cette liste est toujours publiée en début d'année et elle a été déjà publiée cette année. Nous sommes d'accord? Les livres qui sont prescriptifs, les livres qui sont indicatifs, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour la classe sont indiqués. Ceux qu'on peut acquérir pour permettre aux enfants d'aller au-delà de ce qui est enseigné en classe, ces livres sont publiés. Et c'est le ministère des enseignements maternels et primaires, à travers la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, qui fait l'analyse de ces documents-là et qui les autorise et les publie. Et les techniciens sont là, des psychopédagogues, des psychologues, des didacticiens, des inspecteurs. Toutes les catégories de personnes sont dans cette équipe-là qui valident les livres et qui les publient. On ne devrait pas aller au-delà de ces livres-là. Alors, avez-vous des équipes de contrôle qui se chargent de vérifier que cela est respecté un peu partout? Oui, justement. Parce que s'ils étaient quelque peu métalliques envers les écoles qui exagèrent, je crois qu'on aura moins de plaintes dans le rang des parents. Je crois que les parents aussi sont un peu complices de la situation. Les parents sont complices de la situation, d'autant plus que, d'abord, pour envoyer son enfant dans le privé, je ne fais pas de la mauvaise publicité aux écoles privées. Hein. Il faut avoir les moyens. On a choisi d'aller à l'école privée. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'aller dans le privé. Alors? C'est justement ça. C'est comment dit-on, la démission de l'État qui a fait que... J'en ai... Aujourd'hui, c'est la question. Quoi qu'on peut faire le débat. Et je pense que, voilà, le parent qui envoie son enfant dans le privé, c'est parce qu'il a les moyens. Il a les moyens. Le débat peut se faire, on peut le contextualiser. Pas le passé, on peut dire oui, d'accord, le parent a les moyens. Parce que malgré qu'il y avait des grèves perlées au niveau de l'enseignement, au niveau de l'école publique, il y avait qui continuait toujours par résister parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'une autre alternative. Et donc, du coup, les enfants, bon gré, mal gré, continuaient pas à aller une fois par semaine parce que les grèves peuvent durer 72 heures. Et ceux qui ont les moyens envoient les enfants dans le privé. Je crois que le mouvement est en train un peu d'être... De s'équilibrer parce que le public, la performance du public s'améliore. Du fait de ce qui est bien, il n'y a plus certainement les grèves, il n'y a plus de grèves perlées, parce que bien la formation des anciens, il faut l'assurer. Donc, des efforts sont en train d'être faits dans ce sens. Et donc, ça peut expliquer cela.
mais ce n'est pas une raison pour que les gens estiment que, bon, parce qu'on a suffisamment de moyens qu'on envoie, on n'a pas besoin de Et d'ailleurs, les parents que vous voyez à la veille de rentrer en train de souriloquer sur des motos, ce ne sont pas les parents d'enfants qui vont dans le public. C'est beaucoup plus des parents d'enfants qui vont dans le public. Parce qu'on y a une tonne de fournitures à acheter, il y a des tranches à exécuter également. Des frais de scolarité. Justement, je voulais qu'on se prononce là-dessus. La disparité des frais de scolarité Je vais profiter en même temps pour aller dans la disparité. Vous savez, Herman disait que l'État a démissionné. Et entre-temps, on peut penser que l'État a démissionné, mais l'État n'a jamais démissionné. Parce que Wahab, et Hakim, il a dit, les grèves, 3 mois sur 9, 4 mois sur 9, quelques années, ont fait que les parents n'ont plus confiance en l'école primaire publique, dans l'école publique. Tout à fait. Et s'étaient trouvés obligés d'envoyer les enfants dans le privé, où là, au moins, on fait le temps scolaire réglementaire. Et ça a fait l'engouement de certains parents d'élèves pour les écoles privées. Exactement. Aujourd'hui, lui dit que la tendance s'équilibre. Je dis même que la tendance s'inverse. Parce que l'école publique a redoré son blason et les parents ne commençaient pas à venir à l'école publique. Je ne dis pas ça pour dire que l'école privée n'est pas mauvaise. L'école privée est une école comme toute autre école. Nous gérons les privés et les publics au même titre. Nous n'avons pas de discrimination à faire à ce niveau-là. Moi qui suis ici, je le dis toujours sur tous les plateaux, mes enfants n'ont jamais fait une école privée. C'est mon choix. Ils n'ont jamais fait une école privée parce que peut-être je n'en ai pas les moyens. Malgré la période où il y avait les grèves. Ah bien sûr, ils sont toujours restés dans le public. Chercher tous mes enfants ont toujours fait les primaires publiques, les collèges publics, les universités publiques. Ça, c'est mon choix. C'est pourquoi je dis que chaque parent a le choix de l'école que son enfant va fréquenter. En termes de disparité dans les frais de scolarité, je crois que c'était un arrêté gouvernemental qui avait fixé par département, c'était au collège bien sûr en son temps, qui avait fixé par département le montant que les enfants doivent payer dans les collèges et tenant compte du niveau d'évolution, du niveau de vie. Là, nous sommes avec les établissements secondaires publics. Voilà. OK. Ça, c'est l'État qui l'avait fixé. Mais dans le privé, je l'avoue, on n'a pas tout à fait le contrôle des frais de scolarité, du montant, la fixation des frais de scolarité, parce que l'on veuille ou pas, c'est vrai, c'est du social, mais dans le privé, il y a également le commercial. Mais est-ce que les coups de gueule, les cris de cœur des parents d'élèves qui se plaignent un peu partout ne vous parviennent pas au niveau du ministère de manière à ce que vous puissiez au moins réglementer les choses, limiter le plafond des établissements privés? Ça viendra peut-être, mais pour le moment, on n'en est pas encore arrivé là. Et parce que chaque privé, chaque promoteur d'école privée, compte tenu du standing de son école, compte tenu des rendements de son école, fait sa publicité et les parents adhèrent. Justement, ça nous amène à vous poser la question de savoir quels sont les critères qui vous permettent de donner des autorisations à ces établissements. Est-ce que vous ne tenez pas compte des frais de scolarité qu'ils auront à fixer après, une fois l'autorisation reçue? Non, là, je crois qu'on n'en parle pas. Les frais de scolarité à fixer quand l'école sera ouverte, non. Pour autoriser une école à ouvrir ses portes, nous focalisons sur l'espace. Est-ce que vous avez l'espace qu'il faut pour construire les salles de classe? Parce que dans une école, quand vous avez 50 enfants par classe, pour 6 classes, ça fait bien sûr 300 élèves environ. Okay? Ça fait 300 élèves environ. Est-ce que vous avez une cour de récréation qui permette à 300 élèves d'être à l'aise à la cour de récréation? Est-ce que vous avez un terrain de sport qui s'y prête? Est-ce que les bâtiments 9 sur 7, qui sont les normes à l'enseignement primaire, est-ce que les bâtiments là, vous pouvez les avoir sur cet espace? Est-ce que vous les avez déjà? Est-ce que vous avez le mobilier? Le personnel enseignant, est-ce que le personnel enseignant est au complet? Est-ce que c'est un personnel qualifié? Et je dois en arriver là. Est-ce que ce personnel-là a l'autorisation d'enseigner? Est-ce que le directeur a une autorisation de diriger? Nous voyons tout ça. Et en plus, quel est le programme que vous allez appliquer? Quelle est la masse horaire
que vous allez appliquer, le temps scolaire que vous allez appliquer. Et justement, vous voyez, c'est dans les écoles privées que nous voyons quelquefois des gens qui vont en vacances avant la fin de l'année scolaire, des gens qui commencent un peu avant le début. Or, le calendrier scolaire est un arrêté interministériel qui ne se respecte pas par ces gens-là. Il faut à un moment donné de la coercition. Mais attendons. Alors qu'est-ce que vous faites pour que le calendrier scolaire soit respecté? Pour que le calendrier puisque soit... vous avez la tutelle. Merci beaucoup. Et Wahab, je crois que c'est vous qui êtes arrivé à la bonne solution. Nous avons la tutelle. Et nous avons toujours sévi. Malheureusement, combien de temps avons-nous pour parcourir tout le pays? Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu l'année dernière ici, ou bien il y a 2 ans, des écoles privées qui ont commencé par fonctionner en journée continue. Oui. Mais le ministre a tapé du poing sur la table. On a envoyé des correspondances dans toutes les circonscriptions scolaires. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, on est parti. Il y a un petit instant, nous sommes de retour. Vous avez la parole, monsieur Alain Dossou-Rouleyi. On était en train de parler de ces établissements qui, apparemment, sans vous consulter, ont instauré les journées continues. Ok, qui ont voulu fonctionner à temps partiel. C'est permis. Mais, je ne dirais pas c'est permis, je dirais c'est autorisé. C'est possible, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est possible. Mais il faut que ça soit autorisé. Oui. Les tests l'ont prévu. Mais pour fonctionner à temps partiel, il faut que nous soyons sûrs du programme que vous voulez appliquer, de comment vous avez organisé la journée pour qu'on puisse accomplir le temps normal de soi. Parce que ces enfants-là iront au CEP avec les autres enfants. Est-ce que vous avez tenu compte de l'âge psychologique de l'enfant? Parce que vous voyez, un enfant qui va à l'école de 8 heures et qui sort à 15 heures, quel temps de récréation, quel temps de pause à midi, comment les activités sont organisées, tout ça, nous avons besoin de voir. Et c'est tout un dossier qu'il faut... composé, fourni, pour que nous puissions, avec nos techniciens, étudier votre dossier et vous autoriser. Vous voyez qu'ils sont partis, ils ont commencé par le faire. Et dès que nous avons dit, c'est possible, mais constituer des dossiers, vous les voyez, ils nous envoient des demandes tout simplement. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est dire quoi? C'est dire que fonctionner avec les établissements privés, c'est un peu difficile. Mais petit à petit, nous arrivons à maîtriser ces gens-là. Et nous arriverons quand même à cerner le tout. Alors, qu'est-ce qui, au fond, empêche cette harmonisation? Parce que, c'est vrai, nous sommes parents d'élèves sur ce plateau, tous autant que nous sommes. Nous avons quand même pu constater que, contrairement à nous, à notre temps, effectivement, on allait à l'école de 8h à midi, de 15h à 19h ou 15h à 17h. Aujourd'hui, avec nos enfants, quand ils vont à l'école à 8h et qu'ils finissent à 14h, pour la plupart, on se dit, c'est le système anglophone où l'enfant, en soirée ou en après-midi, peut vaquer à d'autres choses. Apprendre la couture, apprendre ci ou ça. Qu'est-ce qui, au fond, gêne, monsieur le secrétaire? Non, mais en fait, ce n'est pas ce que vous dites exactement qui se passe. Il vaque à partir de 14h et libère les enfants. Et c'est encore vous, parents d'élèves, qui supportez cela. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui disent, ouais, l'objectif même, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, c'est dans l'intérêt du parent d'élève. Et c'est ça qui est grave. On dit, oui, les parents, quand ils déposent leurs enfants et qu'ils vont à midi, les enfants ne trouvent pas qui s'occuper d'eux, tout ça. Et que bon, si on le faisait, que les enfants sortent à 14h le soir, ils ont le temps pour eux-mêmes d'aller apprendre. Ce n'est pas dans... Et que bon, les parents, quand ils seront à... C'est pas dans l'intérêt de l'élève que c'est fait. Ce ne sont pas des raisons scientifiques. Ce ne sont pas des raisons scientifiques. Ce ne sont pas des raisons dans l'intérêt de l'enfant, mais c'est plutôt dans l'intérêt de l'enseignant, dans l'intérêt de la disponibilité des parents. Est-ce que c'est la disponibilité du parent? Vous trouvez que cela pénalise les enfants? Cela pénalise les enfants. Je dis que c'est possible, mais pour que cela se fasse,
il faut des critères et il faut des conditions pour que nous puissions autoriser ça. Christian, oui. Et donc, les gens qui vont continuer de fonctionner sans autorisation, nous, on va sévir. On ira très rapidement. Deux questions très spectateurs. Oui. Monsieur le SG, la rentrée dans les zones inaccessibles ou inondées, pas encore effective. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que vous travaillerez à rétablir l'équilibre en termes donc de temps d'apprentissage entre ces enfants-là et ceux qui ont commencé les cours depuis pratiquement 2 semaines? Jusqu'à présent, certaines écoles primaires publiques n'ont pas de cantine scolaire. Pourquoi cela? Il y en a suffisamment dans le département de la Donga et de la Libori. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Hakimi était avec ses téléspectateurs. Merci beaucoup. Les zones inondées, il arrive souvent qu'à la rentrée comme ça, au mois de septembre, octobre, à cause de la crue, que certaines écoles ne prennent pas, ne commencent pas la rentrée comme les autres. Mais l'année scolaire est organisée, c'est 36 semaines, mais les cours sont planifiés sur un certain nombre de semaines pour permettre à ces écoles-là de rattraper. Ça fait un. Deuxièmement, les enseignants sont formés avec l'aide de nos partenaires, en l'occurrence l'UNICEF, pour qu'on puisse, en temps de crise comme ça, on puisse réorganiser le programme pour permettre à ces écoles de rattraper. C'est faisable. Et c'est la direction de l'enseignement primaire qui a ce programme et qui s'en charge. Chaque fois, nous veillons à cela. Okay. En ce qui concerne la cantine, vous voyez, la cantine scolaire aujourd'hui couvre, on était parti pour en 2000, à la fin du premier quinquennat du président Talon, on puisse couvrir 51%, mais nous sommes déjà même allés au-delà de 51%. Et l'objectif... Et ça a repris au même moment que la rentrée, la cantine scolaire. Oui. Vous n'êtes pas dans le pays. Les cantines scolaires ont démarré le même jour où les activités pédagogiques ont commencé. Les vivres ont été mises en place depuis la période d'avant la pré-rentrée. Et toutes les écoles qui doivent recevoir de vivres ont déjà reçu leurs vivres. L'objectif à terme, c'est que l'on puisse atteindre 100% des écoles. Et le ministère des enseignements maternels et primaires, avec le soutien du gouvernement, y travaille. Nous allons atteindre ça. D'accord. Un téléspectateur qui pose une question, et ça sera pratiquement la dernière. Il lit le coût élevé des frais de scolarité à l'introduction, je dirais, des factures normalisées dans les établissements. Est-ce que vous avez mené vos enquêtes? Est-ce vraiment cela? Bon, là, et j'avoue que moi, je n'ai pas encore pensé à ça. Je n'y ai pas pensé, je n'y ai jamais pensé. Et la facture normalisée, je crois que toujours, c'est dans le privé, ça. Nous allons voir, puisque... les problèmes des écoles privées deviennent très importantes et récurrentes. Je crois que nous allons nous pencher beaucoup plus sur... Je pense que vous devez le faire au plus vite, parce que les parents... Il faudrait le faire. Parce que les parents, que nous sommes, nous ployons sur le coup, sur le jour de ces fournitures, de ces frais de scolarité qui sont assez... Merci. Les écoles privées sont également sous la tutelle du ministère des enseignants maternels et primaires. Ce n'est pas l'impression que nous avons. On a l'impression que le privé est... Non, mais vous savez, tout ce qui est privé tente à échapper au contrôle. Et nous avons le devoir de les ramener. Donc, c'est une bataille permanente. L'autre veut partir, mais vous voulez le ramener. N'attendez pas qu'ils aillent loin, très loin avant de les ramener. Merci, Merci. Merci. Oui. Merci, M. Alain Dossou-Honlayi, secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Vous étiez en plateau pour nous parler de cette reprise des classes. Et vous rassurez donc tout le monde que l'année scolaire va se dérouler normalement bien, puisque ça a d'ailleurs bien commencé. Merci bien. Les problèmes seront réglés au plus vite. À coup sûr. Merci à vous. Merci à vous, Hakimi Seydou Ousseni. La chicotte à l'école, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est véritablement banni? Vous avez trouvé le mot juste, c'est banni. Même dans les privés, puisque... Oui, justement, même dans les privés, parce que les tests existent. Quand les tests existent, ça s'applique à tout le monde. Les tests existent qui bannissent le châtiment corporel. Malheureusement, vous ne pouvez pas être présent dans toutes les classes au même moment pour voir ce qui s'y passe. Vous êtes pour ou contre? Ah mais non, je ne suis pas pour la chicotte. Qui va être pour la chicotte? Vous avez été formé sans la chicotte ou avec la chicotte? J'ai été formé avec la chicotte. Merci beaucoup. En tout cas, en fait, on va en parler tout à l'heure avec quelques citoyens rencontrés dans nos villes qui se sont prononcés. Sont-ils pour ou contre le châtiment ou les châtiments corporels? L'école, question posée par Nagui Balagué dans le pour ou contre. Je vous invite à les écouter.
Je suis pour tout simplement parce que pour éduquer un enfant ou éduquer un être humain, il faut lui faire peur de temps en temps. C'est pas chicoter avec truc là. Quand on dit chicote, il y a chicote. Mais moi, je suis pour seulement avec modération, pour faire respecter, pour faire peur à l'enfant de savoir que ce qu'on lui dit de faire, il doit prendre ça aussi. Je suis contre. Parce que je pense qu'il y a une meilleure façon de punir les enfants et qui ne soit pas forcément la chicotte. C'est vrai que la chicotte est quelque chose qui discipline. Mais vous voyez, c'est tellement délicat qu'on ne sait pas à quel moment celui qui fait usage de la chicotte, on ne sait pas à quel moment il déborde. Parce que la colère, beaucoup de choses peuvent se mêler à cela et qui vont entraîner des débordements. Par conséquent, il vaut mieux ne pas s'y aventurer. On peut éduquer l'enfant autrement, avec des paroles, avec même des punitions. Je préfère cela. Je suis pour la chicotte à l'école. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a d'autres enfants, sans la chicotte, ils n'arrivent pas à évoluer. Nous tous, on a passé par là, on sait ce qu'il y a là. Si l'enfant sait qu'on le chicote, il va son papa va venir, il ne va rien faire et il va manquer de respect aux enseignants. Chicotte à l'école. Ah non, je suis contre la chicotte. Contre la chicotte à l'école. Aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut vraiment rarement recourir à cela. Vraiment rarement. Je trouve que si on donne l'autorisation aux gens de chicoter, mais les anciens vont abuser de cette méthode qui n'est pas une bonne chose. Chicotte à l'école. Ouais, la chicotte à l'école, je crois que c'est normal. Nous, on a vécu ça. Et ce qui a fait que beaucoup de gens sont évolués, même si tu n'avais pas la volonté. Quand tu te rappelles des chicotes, c'est que tu es obligé d'apprendre des leçons avant d'y aller à l'école. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué avec les réseaux sociaux où les enfants sont plus concentrés dans ce truc-là. Ils ne prennent même plus l'école au sérieux. Donc je crois que quand ils se rappellent des chicotes, ils sont obligés d'apprendre leurs leçons à la maison. Donc moi, je suis pour qu'on puisse taper les enfants, c'est pour notre bien, pour le bien des enfants et pour nous qui sommes parents encore. Ah là, je suis contre, absolument contre. Parce que la chicotte, je pense, n'est pas la solution pour que l'enfant accède à la connaissance. Il y a plusieurs mécanismes d'amener l'enfant vers la connaissance, autre que la méthode classique et ancienne qu'est la chicotte. Je suis contre la chicotte à l'école. La chicotte est une très mauvaise solution pédagogique. Vous savez, on nous apprend à l'école normale qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Il n'y a pas d'élèves tarés, il n'y a que des enseignants qui s'y prennent mal, qui ne connaissent pas leur boulot. Les tests interdisent le châtiment corporel à l'école et il semble que chacun de nous, en tant qu'enseignant, doit tenir compte de cela pour trouver les autres ressources qui permettent à un enfant d'apprendre sans chicotte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, les mercredis, désormais, vous avez droit à notre rubrique Dora Lex, c'est de Lex avec Herman Parfait à Niambosu. Et puisque le sujet fait l'actualité, eh bien, on en parle avec deux spécialistes de la question rencontrés par Herman Parfait à Niambosu. On parle donc de la violence conjugale, regard croisé de ces deux acteurs. C'est dans cet élément qui dure environ 10 minutes que je vous invite à suivre. Je vais peut-être vous surprendre, mais la loi n'a pas donné une définition des violences conjugales. La loi 2000,
2011, 26 du 9 janvier 2012, a défini la violence dans le milieu familial et la violence domestique. Et la définition qui est donnée de la violence dans le milieu familial, je vais vous le lire in extenso tel que le texte l'a prévu. Violence dans le milieu familial, c'est l'abus de pouvoir ou négligence intentionnelle en vue de dominer, soumettre, contrôler ou agresser les femmes de manière physique, verbale, psychologique, patrimoniale, économique et sexuelle, à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile familial. Que l'agresseur soit lié ou ait été lié à sa victime par des relations de parenté, par le sang ou par alliance, des relations de mariage, de concubinage ou qu'il entretienne ou ait entretenu avec elle une relation de fait. Voilà la définition que la loi portant répression et violence des femmes donne de la violence dans le milieu familial. La même loi définit la violence domestique comme toute violence physique ou sexuelle faite par une personne contre la personne d'autrui quand les deux parties sont mariées, concubines ou consanguines, ou qu'elles viennent dans la, ou qu'elles vivent dans la même maison, ou quand les deux parties ont une relation intime dans le passé, mais ne sont plus ensemble. Donc, pour moi, les violences, ce que vous appelez violences conjugales, on peut les retrouver aussi bien dans les violences domestiques que dans les violences en milieu familial. Parce que les violences conjugales, telles que vous le dites, en tout cas dans votre entendement, c'est les violences exercées par l'un des époux sur l'autre, ou bien le concubin sur la concubine, ou sur l'amant sur l'amante. Le Bénin, comme j'ai l'habitude de le dire, est un bon élève. Ce n'est pas les tests qui nous manquent, mais la difficulté que nous avons par rapport à ces tests, nous en parlons, c'est les décrets d'application qu'il faut aussi prendre pour faciliter l'application de ces tests-là. Donc, il y a ce problème. Par exemple, la loi sur les violences faites aux femmes, il y a des décrets d'application qui doivent être pris pour pouvoir faciliter l'application. Je donne un exemple. Quand on applique la loi, on sanctionne l'auteur, la fille, par exemple, qui a été menacée de mariage précoce, qui a essayé de fuir, d'échapper à cet acte-là. Où est-ce que cette fille peut aller s'héberger, se réfugier en attendant que la procédure suive son cours? Donc, il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Il n'y a pas les centres d'hébergement pour récupérer d'abord cette fille-là en attendant que la procédure suive son cours. La femme qui est victime, qui est battue dans le domicile conjugal, si on doit suivre la procédure au niveau des juridictions, vous voulez qu'elle continue à vivre dans ce milieu conjugal en face de son bourreau? Quand vous parlez de violence dans le milieu familial, je vous ai dit, ça peut être des coups et blessures. Et l'article 509 du code pénal, parce que la loi sur les violences faites aux femmes n'a pas prévu de sanctions pénales de manière spécifique en ce qui concerne les violences domestiques ou les violences en milieu familial. Mais tout ce que le texte a eu à dire, c'est que en son article 30, je parle de la loi portant prévention et répression des violences, stipule que pour toute infraction pénale qui réprime des violences physiques ou sexuelles, le fait que la victime et l'auteur jouissent d'une relation domestique définie à l'article 3 de la présente loi sera retenue comme circonstance aggravante. La peine maximale en matière délictuelle est aggravée par 5 ans d'emprisonnement et celle en matière criminelle est aggravée d'au moins de 10 ans. Et nous allons faire une lecture combinée du code pénal, parce que c'est le code pénal qui a réprimé les violences physiques, les violences que nous avons relevées et qui s'exercent en milieu familial. L'article 509 du code pénal qui stipule que tout individu qui volontairement a porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sorte de violence, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 38 du présent code pendant un an au moins et 5 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine si les violences ont été exercées sur les pères ou mères légitimes, naturels et autres. Donc, le code a bien prévu les peines. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas une incapacité de travail personnel, la peine varie de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 250 000. En matière de violence domestique, patrimoniale, curieusement, le législateur n'a retenu que des peines d'amende. Des peines d'amende et des peines en matière de violence. Je peux vous lire aussi les violences psychologiques, l'article 32 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Article 32, les violences psychologiques, comme définies à l'article 3 de la présente loi, sont punies d'une amende pouvant aller à 1 million de francs CFA. Juste une amende. En ce qui concerne les violences économiques, c'est également une amende de 500 000 à 2 millions. Vous voyez, c'est les insuffisances de la loi qui ne permettent pas de décourager de 500 000 à 200 à 2 millions. Ça ne permet pas de punir vraiment. La seule amende ne suffit pas. Mais ça n'empêche pas que la victime demande des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Mais il n'y a pas de peine privative de liberté. Et vous savez, le Béninois n'a peur que lorsqu'il sait qu'on peut l'envoyer en prison. Mais tant que c'est une amende, ils vont exercer les voies de recours, ça va traîner, ils vont organiser leur insolvabilité. Ce qui fait que vous avez une décision de justice, mais vous ne pouvez rien en tirer. Donc voilà la situation, l'état de la législation au Bénin en ce qui concerne les violences faites aux femmes et dans le milieu domestique ou au milieu familial, ce que vous appelez violence conjugale. Depuis plus de 20 ans que nous menons ces activités-là, tout le temps nous avons eu ces problèmes, ces rétractions. Voilà, les femmes se rétractent au beau milieu de la procédure pour dire non, à cause des représailles, et la belle famille, et si jamais j'envoie mon mari en prison, je serai mal vue par la belle famille. Donc il y a ce problème que nous rencontrons. Que l'on veuille ou non, une fois que les textes de loi existent, nous sommes dans un état de droit. À un moment donné, quand il y a violation, il faut qu'on applique la loi. Il faut que la force reste à la loi. Donc, on ne va pas à cause de ça. Si le procureur se saisit de l'affaire, personne ne peut venir l'arrêter. Pas plus tard qu'avant-hier, moi, j'ai reçu un cas. On m'a saisi à 3 heures du matin pour m'informer qu'il y a un homme qui a battu sauvagement sa sœur. Mais la femme souffre, la dame souffre, mais ne veut pas porter plainte à cause du candidaton. Nous, les organisations de la société civile, nous sommes déjà dans cette dynamique et nous travaillons depuis des années et nous sommes prêts à accompagner l'Institut pour que désormais on travaille à l'autonomisation de la femme et que les cas de violence enregistrés qu'elle puisse, parce que l'Institut peut rester en justice pour les filles, parce que les femmes ne veulent pas. Lorsqu'il y a les agressions sexuelles, les peines sont prévues. Mais lorsqu'il s'agit d'une violence psychologique, or c'est cette violence aujourd'hui, parce qu'on est en train de décrier les coups. Et la violence psychologique, c'est difficile à établir. Et c'est ça qui s'exerce de plus en plus sur nos femmes, où la femme est rabaissée, elle perd l'estime de soi. Il y a une autre forme de violence, et aujourd'hui, c'est que les hommes se refusent à entretenir les relations intimes avec leurs épouses. Ou c'est l'épouse qui refuse de se donner à son mari. Et la femme sent ça comme une frustration, comme l'homme sent ça comme une frustration. Et au plan psychologique, ça crée des perturbations. Lorsque vous êtes là, vous êtes complètement ignoré. Le monsieur ne sait pas ce que vous mangez, ne s'occupe pas de vous. Vous n'avez aucun compliment de sa part. Vous êtes là comme un meuble déposé dans son salon. Et ça fait mal, vous en souffrez, mais comment l'établir? Il faut avoir les moyens pour aller voir un psychologue qui va vous établir un certificat médical pour montrer que vous... Et lorsque vous arrivez à établir que vous êtes victime de violence psychologique et c'est juste une amende de 1 million, ça n'encourage pas. C'est pour vous dire quoi? Vous savez, il y a une réforme en cours. Si on peut prendre en compte certaines faiblesses,
Mais l'autre chose également, vous avez dit ça ne décourage pas, ce n'est pas les peines d'emprisonnement vraiment qui vont... Parce que ce qui est fait, la femme est déjà victime des coups, elle en souffre, elle porte les séquelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'elle? L'espoir est permis avec l'Institut. J'espère que cet Institut sera bien organisé et que cet Institut aura les moyens et sera et qu'on va éviter les lourdeurs administratives pour que les femmes puissent être prises en charge rapidement, les enfants, toute personne en tout cas à l'Institut, que toute personne qui a recours à l'Institut puisse avoir très rapidement satisfaction. C'est le seul espoir que j'ai pour le moment et j'espère que nous ne serons pas déçus. Et voilà, c'était Duralex, c'est de l'ex avec ce regard croisé de deux dames que vous venez de suivre. Merci à Herman Parsfait, à Niamosu pour cette réalisation. Nous sommes mercredi et désormais tous les mercredis, on va parler gastronomie. Nous allons à la découverte des richesses culinaires de notre pays, le Bénin. Et ce sera avec Zakiat Latunji en première diffusion. Ce sera les mercredis et en deuxième diffusion, une rediffusion tous les vendredis sur ActuMatin. Eh bien, ce mercredi, nous allons à la découverte d'un plat que beaucoup de Béninois affectionnent, un peu comme les Togolais, les Ghanéens de même. Il s'agit du koum. Vous connaissez le koum, vous l'aimez. En tout cas, Zakiat Latunji nous transporte dans nos plats. Allons-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique dans nos plats, votre rubrique de dégustation, de découverte et également d'apprentissage de la préparation des richesses culinaires d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un mets originaire du Ghana, mais qui est très adulé au Bénin. Il se mange à base de ce que moi j'appelle du piment brûlé, de l'oignon finement haché. Et je vous assure, quand vous mangez ce repas-là, vous transpirez de la tête aux pieds. Si vous êtes un fin gourmet, c'est sûr que vous savez déjà de quel plat je parle. Si ce n'est pas le cas, je vais vous aider. Il s'agit du koum. Le koum, aujourd'hui, on le retrouve par endroits emballé dans des feuilles de maïs et par endroits également, on le retrouve emballé dans du sachet plastique. Mais ici, au Maki chez Akpedje, spécialisé dans la préparation du koum, eh bien, le koum est emballé dans des feuilles de maïs. Et toute la journée durant, vous pouvez vous faire servir du koum bien chaud, bien fumant, accompagné du poisson frit, de toutes les catégories, de toutes les particularités que vous voulez. Avant de passer à la dégustation, l'étape que moi j'aime bien dans cette rubrique, eh bien, nous allons voir la préparation et la cuisson du koum, histoire de vous aider également, pourquoi pas chez vous, à vous faire plaisir en préparant du koum. C'est parti, nous sommes au Maki chez Akpedje. Je trempe le maïs dans l'eau pendant 3 jours. Après, je le fais écraser au moulin. Je malasse la farine et laisse la pâte faire monter 5 heures avant de l'envoyer au feu. Mon frère, il faut manger et tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Émile, nous nous filons, ça lui répond. Mon frère, il faut manger et tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Tout est bon dans le pays. Nous mettons, boy bio. Mais non, à condo nous met. Nous servons de la main pour faire les boules et on l'attache. Je mets un torchon et un panier dans la marmite
couvrant avec les feuilles de maïs, puis on pose les boules attachées qu'on envoie au feu. Après 30 minutes, c'est cuit. Après 30 minutes, on a dit. Le sachet nous tue. Voilà pourquoi nous avons opté pour les feuilles de maïs. Je les commande depuis Dogbo. Le sac est à 2000. Ce n'est pas du tout facile. Ça nécessite assez de travail. Les gens n'aiment pas le fait. C'est difficilement on trouve des gens pour nous aider dans le travail. François, Dans nos plats aujourd'hui, comme je vous l'ai donc annoncé, nous avons du com emballé dans des feuilles de maïs, également du poisson, des oignons, j'en parlais également, oignons finement hachés, du piment vert et le piment noir mélangé donc dans le moyo qui va donc nous permettre d'apprécier tout ce qui se faisait depuis toutes ces heures de préparation, parce que vous avez compris que c'est beaucoup d'heures de préparation pour arriver au com. Le com, il se mange super chaud et il se mange à la main. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et ensuite, on passe à l'étape de la dégustation. Bon appétit chez vous. Nous allons maintenant manger. À très, très vite. Et voilà de quoi nous emmener de l'eau à la bouche. Merci à vous, Zakia Tlatunji, et très bon appétit. Et chez vous, merci également au marquis Akpidji qui, en tout cas, prépare du bon com. Mesdames et messieurs, la revue de presse, c'est dans un instant avec Asiomo Kanyasiomo. Bon, je vous retrouve juste après la météo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans sa publication de ce mercredi, Fraternité se penche sur la décentralisation et la lutte contre le harcèlement sexuel pour écrire que pas de temps à perdre, Talon et son gouvernement veulent accélérer le mouvement de la mise en œuvre des réformes
dernièrement arrêtée, à savoir celle relative à la décentralisation et à la lutte contre le harcèlement sexuel. Ainsi, quelques jours à peine après les intentions manifestées par rapport aux dites réformes, le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres de ce jour, se tournera vers le Parlement, ceci, afin de lui transmettre les deux projets de loi qui ont focalisé les attentions au cours de la semaine écoulée. A priori, pour Patrice Talon et son gouvernement, plus tôt les réformes arrêtées seront effectives, mieux ça vaudra pour la bonne gouvernance du pays. Avec ce qui se prépare, estime Vif d'Afrique, plus rien ne sera comme avant. La criette va désormais réprimer. Cela dit, les enseignants et même les patrons d'ateliers doivent du coup se ressaisir car l'application de la loi sera sans pitié, surtout que l'Institut national de la femme, nouvelle formule, va jouer sa partition dans le sens de la protection de la femme. Le journal d'expliquer qu'on peut retenir entre autres qu'est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme telle toute liaison amoureuse entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. Bénin Intelligence s'intéresse aux explications du député Gérard Guenucci pour lequel, quel que soit votre âge, mineur ou majeur, ne jamais faire des avances ou avoir des relations sexuelles avec une fille de moins de 13 ans car elle est fille du procureur, donc protégée par la loi qui prescrit en sa faveur une présomption irréfragable d'absence de consentement, c'est-à-dire que son consentement est supposé n'avoir lieu. Le jugement de ces infractions de violence à cause du genre sera du ressort de la criette qui sera dotée d'une chambre spéciale à cet effet. Et d'une répression à une autre, le potentiel révèle que 5 fonctionnaires de 2 ministères sont arrêtés. Le journal informe que dans l'affaire de carnet de vaccination anti-Covid, la police n'entend pas arrêter les interpellations, en croit le journal, depuis le 24 septembre. Une déléguée médicale a été aussi mise aux arrêts. L'informateur complète pour expliquer que 2 dames en service au ministère de la Santé viennent d'être interpellées pour avoir trafiqué le carnet, essayant ainsi de contourner les consignes du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les 2 prévenus seront présentés au procureur spécial près la criette le jeudi 30 décembre afin d'en répondre. Et puis le gros titre de Fraternité est consacré aux réformes sociopolitiques sous la rupture qui amène le journal à écrire « Tuez le moi pour que vive le nous ». Clairement, c'est l'objectif d'une bonne gouvernance et depuis l'avènement du régime du nouveau départ, de grands pas sont en train d'être posés dans ce sens. Du moins, à coup de réformes sociopolitiques, il est désormais question de la redéfinition du vivre ensemble des Béninois et du coup du recadrage des ambitions des acteurs politiques. Si la réforme du système partisan n'a pas totalement réussi à tuer dans l'œuf les égos et les guéguerres de positionnement sur la liste des partis politiques, à cause des intérêts que les uns et les autres en tiraient, les derniers ajustements opérés en ce qui concerne la gouvernance locale devraient un tant soit peu calmer des ardeurs. Parlant du développement de l'industrie, l'économiste du Bénin rapporte que le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané était sur le chantier de la zone économique de Glodigbé. Cette visite a démarré par la maquette du site dont a pris connaissance le ministre d'État et sa suite avant de mettre le cap sur la visite guidée du site de la zone économique spéciale Glodigbé, visite qui leur a permis de constater le niveau d'exécution physique des travaux. De son côté, Matin Libre note que reconnue comme commune à statut particulier, Abomey-Calavi est devenue au fil du temps la convoitise de tous les partis politiques du Bénin. Seulement en ce qui concerne sa gestion, c'est le jour et la nuit ici. Beaucoup de choses ont et continuent d'être reprochées aux maires précédents qui sont en prison pour des faits de mauvaise gestion. Cela n'est sûrement pas une leçon pour l'actuel maire Évariste Wandinou, même si pour l'heure aucun dossier ne menace le fauteuil de l'actuel édile, cela ne voudra pas signifier qu'il est blanc comme neige ou qu'il gouverne bien sa commune. Il suffit de parcourir des arrondissements, principalement certaines artères de cette ville si peuplée, pour constater le dégoût que laisse de plus en plus sa gestion. Depuis bientôt 2 ans qu'il est aux commandes de ce conseil communal. Le journal de titré Variste Awandinou, du rêve à l'illusion, une immersion de Bénin Intelligent dans la localité de Doukonta qui, selon le journal, est un village
de l'arrondissement de Lokossa, il dispose d'une ressource halieutique assez rare, objet d'attraction, un géant hippopotame que des touristes accourent de partout pour contempler de visu. Le journal de se poser cette question, qu'arrivera-t-il si le seul hippopotame du lac s'éteint? Réponse, Dukonta aura perdu un symbole, une grande attraction. Merci d'avoir été à l'écoute. Et voilà, tout s'arrête ici et maintenant sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain, quand nous serons jeudi à partir de 7h pour beaucoup d'autres informations à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.